J'ai pas compris la destruction du navire. Vous arrivez au poste avancé de Regina. Monsieur Onyx, je vous confie le commandement pendant que je remets mon rapport au commandant de la base. Ouais, non, j'ai pas compris, Moment, là. Bon, on est reparti, YouTube. Salut à tous, bienvenue. On doit faire cette mission 7. Ou alors j'ai mes munitions qui ont explosé, je sais pas. Je garde le canon en plasma à l'avant, on va faire un test. Commandant, j'ai découvert quelque chose d'important au sujet des raids pirates. Capitaine Hawkins, posez votre rapport ici. Je n'ai pas le temps de le lire tout de suite. J'ai une mission urgente à vous confier. Un gros astéroïde s'est abattu sur l'île de Dorlinor. La ville principale a été dévastée. Vous devez leur apporter des médicaments au plus vite. Oui, monsieur. Je vais préparer mon escadron et larguer immédiatement les amarres. Ce ne sera pas si simple, capitaine. Le seul navire dont nous disposons pour leur faire parvenir suffisamment de médicaments à temps est une frégate rapide. Je vous confie celle que nous avons ici en maintenance. Ceci dit, pour rejoindre les survivants à temps, vous devrez passer par la bise de Calian. La bise? Vous êtes sûr? Je sais que cet itinéraire est dangereux, mais vous arriverez deux fois plus vite. Ces gens ont besoin de notre aide de toute urgence. Je comprends, monsieur. Nous nous en sortirons. Bien. D'autre part, une flotte de secours vous rejoindra au plus vite. La frégate rapide est chargée et prête à larguer les amarres. Choisissez votre équipage et partez. Bon, on va refaire la même. On change pas une équipe qui gagne, hein. BEN1. Lui, hop. Au niveau des mécanos, on a un robot ici. On a lui. Voilà, les gabiers. Putain, on va avoir un taux de réparation hallucinant là. Voilà. Au niveau des armes, le plasma lourd. Ouais. On va partir. Est-ce que le plasma moyen, ça pourrait être intéressant? Je sais pas si partir full plasma c'est un bon plan aussi en fait, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que je devrais pas garder du canon laser? Je sais pas, moi là je te demande ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de partir sur du full plasma? Ou ça sent le mauvais plan? Moi ça me choquerait pas perso, après... Que j'ai l'impression que ça fuse bien ces trucs là niveau vitesse et tout du projectile. Ça marche, Bousquet, à la prochaine, bonne soirée, à plus tard et merci d'être passé. Parce que bon, plasma. Bon allez, on va tenter le plasma, hein. Allez, soyons fous. Bonne chance, Capitaine Hawkins. Et dépêchez-vous. On va prendre du plasma, allez, let's go. J'espère que ça va le faire.
on est parti pour la bise de Kellyan. Ça change le plasma de ce qu'on connaît d'habitude. Oh, pardon. T'as pas la petite cabine là-haut en haut. J'espère que ça va mieux se passer cette fois parce que j'ai pas compris quand même. Bon, en voilà un. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vaisseau inconnu en vue. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais pas le temps de vérifier ça pour l'instant. Monsieur Onyx, notez cet emplacement sur nos cartes. Oui, monsieur. Bon. C'est curieux ce vaisseau, hein. Là-bas, ça va nous tirer. C'est quoi ça? Oh, ça va. Le plasma. Hop. Putain, ça va le dissuader. Monsieur, ces îles abritent des grottes. Je les vois. Alerte maximale. Préparez-vous à une attaque des dragons. Voilà, ça essaie de le dissuader. De Dorlinor, droit devant, monsieur. Ce n'est pas joli à voir. Ah oui, quand même. Regardez tous ces pauvres gens. Très bien, messieurs. Arrimons-nous. Et débarquez ces médicaments au pas de course. Ils ont bien mangé, ouais, effectivement. Nouveau cap.
Bon, on est dans la merde, hein. On n'est pas dans la merde. Merci. En tant que maire de cette ville, sachez que Dorlinor et tous ses habitants ont une dette envers vous. Notre hôpital a été détruit dans la catastrophe. Que s'est-il passé ? Nous commencions notre journée de travail lorsque nos vigies ont repéré un astéroïde fonçant droit sur l'île. Les habitants ont à peine eu le temps de se réfugier avant le choc. Capitaine Hawkins ! Vaisseau pirate en approche ! Ils ont dû entendre parler du désastre et penser que Dorlinor serait une cible facile. Madame le maire, mettez votre population à l'abri. Nous allons protéger la ville. Monsieur Onyx, faites remonter l'équipage à bord et larguons les amarres. Ok. Déjà, on va enregistrer pour commencer parce que bon, genre, j'en ai un peu marre de me faire un peu avoir par le jeu bêtement. Changeons de cap. Deux sloops. Deux goélettes, ok. Et... une barque. Ils sont trop nombreux, oh. Capitaine. Nous n'avons aucune chance de les battre. Nous allons les tenir à distance et les éloigner de la ville jusqu'à l'arrivée de la flotte de secours. Nous pourrons peut-être en attirer quelques-uns au cœur de l'abysse et laisser les dragons s'occuper d'eux. Excellente idée, monsieur. Vers la flotte. On va essayer d'aller vers la flotte directement pour sortir de là. Canonnier, tirez sur tous les vaisseaux qui attaquent la ville. Là, parce qu'il y a du pif, Capitaine Hawkins, bibles. Tenez bon, la cavalerie est là. Ça se passe beaucoup mieux là. Chaloupe aller chercher là. Allez, mettez-moi tous ces brigands au fer là. Qu'est-ce qui reste? Parfait. Bien joué, monsieur Hawkins. Je savais que vous en étiez capable. Merci, amiral.
Nous n'aurions pas tenu longtemps sans votre aide. Oui, il était temps. C'était vraiment limite, n'est-ce pas? Ah oui, des points supplémentaires pour votre prestation. Eh bien, il n'y aurait rien eu à sauver si vous ne vous étiez pas interposé pour les tenir à distance. Merci, madame. Mais certains de ces pirates étaient armés jusqu'aux dents. J'ai remarqué qu'ils utilisent de plus en plus d'armes prossiennes. Est-il possible qu'ils volent des armes aux prossiens? Il est possible qu'ils les volent. Ou que les prossiens commercent directement avec eux. Comment? Je n'ai aucune preuve, Jim. Mais écoutez-moi bien. Je n'ai pas confiance en ces canailles aux allures de rongeurs. Traités ou pas, méfiez-vous d'eux. Eh ben, c'était chaud cette mission. Hein. Mais bon, on a réussi à s'en tirer grâce au support de la flotte. Une fois les habitants de la ville pris en charge et à l'abri à bord des vaisseaux de secours, j'ai pu rencontrer l'amiral Amelia pour lui faire part de mes différentes découvertes. Mais je n'ai pu me résoudre à dénoncer mon vieil ami John Silver. Je ne supportais pas l'idée qu'elle donne l'ordre de le capturer. Alors, on n'a pas trop changé Amelia en quelques années, ça va. Lorsque je lui ai parlé de notre rencontre avec la flotte diplomatique prussienne, elle est entrée dans une colère noire. Elle a même été jusqu'à accuser les Prussiens de détruire leur propre escorte navale. Ah oui, quand même. Oh, avec ses griffes et tout là. Oh. Il semble que l'ambassadeur des Prussiens soit un ancien chef de guerre, et que lui et l'amiral se soient combattus plus d'une fois. Elle m'a fait clairement comprendre qu'il serait imprudent de faire confiance à ce personnage, à moins de l'avoir au préalable solidement attaché. J'aime bien le truc qu'ils ont fait là. Le truc de guerrier et le truc d'ambassadeur, là, c'est vraiment classe, je trouve. Compte tenu de la menace que font peser les cuirassés sur l'Empire, la paix avec les Prussiens est plus importante que jamais. C'est pourquoi l'amiral ne peut étayer nos soupçons sans preuve tangible. Elle a donc ordonné à mon escadron de retourner à l'abysse de Calienne afin de retrouver la trace du mystérieux vaisseau que nous avons repéré hier. Voilà.